Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien maintenant que la vidéo a commencé. Dans cette vidéo, nous allons parler tout de suite à succès, non pas SAO, mais bien Log Horizon. Je vais parler de l'anime en lui-même, bien sûr, parce que ça vaut le détour, et ensuite aborder tous les sujets autour d'une possible suite. Et si je fais cette vidéo, c'est qu'il y en a des probabilités. Mais je reparlerai de ça un peu plus en fin de vidéo. Tout d'abord, présentation. Log Horizon a pour genre action, aventure, comédie, fantasy. On ne juge pas encore. L'auteur est Mamare Tono. L'anime, bien sûr, prend sur le light novel, sorti le 13 avril 2010. On va faire les choses dans l'ordre, bien sûr. Après le light novel, vint le manga, lui sorti le 27 janvier 2012, et après ça il y a eu encore 3 autres adaptations en manga. Enfin vient l'anime qui voit sa première diffusion commencer le 5 octobre 2013 sur la chaîne J1. Passons maintenant au petit synopsis, histoire de vous donner envie de le regarder quoi. Log Horizon se passe dans un MMORPG numéro 1 au Japon et dans le monde entier. Oui, je sais, encore un anime qui se passe dans un jeu vidéo, écoutez, hein, c'est pas moi qui les écris. Shiroe, le personnage principal, très stylé d'ailleurs, est un amateur de MMORPG. Un jour, alors qu'il se décide de jouer à Elder Tale, le MMO numéro 1 en question, il se retrouve piégé dans celui-ci avec 30 000 autres personnes. Désormais, impossible d'utiliser le bouton de déconnexion et impossible d'utiliser moult autres fonctionnalités du jeu. Peu à peu, en restant coincé dans ce monde qui pour moi est paradisiaque, les joueurs perdent la volonté de jouer, comprenant qu'ils finiront leur vie ici. Mais Shiroe ne veut pas abandonner. Il débute alors un voyage ou une sorte d'aventure afin de comprendre d'où vient le problème et pourquoi ils sont bloqués dans ce jeu. Le truc vraiment qui me titille, c'est quand j'entends que c'est un copier-coller de SAO. Ceux qui disent ça n'ont en général même pas pris la peine de regarder l'anime. Pour moi, l'un des plus gros points forts de Log Horizon, contrairement à SAO, c'est justement l'abondance de détails qui nous maintient dans l'univers assez technique du MMORPG et non pas juste son côté fantasy. Les interfaces, leur utilisation, les classes, les butins en fin de combat, les stratégies mises en place par le protagoniste comme pour dans un raid, c'est personnellement ce que je kiffe le plus. Il y a de l'humour, un peu de drame et un zeste de romance, tout ce qui fait un bon shoujo quoi. Et une fois de plus, contrairement à SAO, la romance c'est plus du divertissement qu'une vraie trame de l'histoire et elle n'en devient pas une par la suite. Ça plaît à qui veut, loin de moi l'idée de juger. Avant de passer aux détails sur une possible suite, je vous recommande bien sûr de regarder l'anime. Pour moi personnellement, il a réuni deux de mes passions, c'est-à-dire le jeu vidéo et l'animation. Les deux saisons sont sur Netflix, donc n'hésitez surtout pas à y jeter un petit coup d'œil. Passons aux choses sérieuses. Il est possible que, comme j'avais dit en début de vidéo, Log Horizon reprenne du service plutôt que prévu, car pour une fois, je ne sais pas si ça devrait me réjouir d'ailleurs, mais pour une fois, nous connaissons la cause qui a entraîné l'arrêt de l'animé. Elle est pas jolie jolie, mais en France, on est habitué à ce genre d'affaires. Car en effet, des charges avaient été retenues contre le mangaka de la série pour évasion fiscale. Mais de nouvelles informations viennent d'être annoncées sur ce scandale. Pour ceux qui n'auraient pas été mis au courant, l'auteur de Log Horizon avait été accusé en avril dernier d'évasion fiscale et de violation sur la loi de l'impôt, pour avoir négligé entre guillemets de déposer environ 122 millions de yens. Ça ne doit pas être très significatif pour certains, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste l'équivalent d'un petit million d'euros. Tono doit actuellement au gouvernement japonais la somme de 30 millions de yens, c'est-à-dire 200 000 euros en monnaie d'impôt. Et vous faites ce qu'il a gagné de cette évasion fiscale, moins ce qu'il doit maintenant à l'État, ça nous fait 750 000 euros. Putain, ils sont forts les japonais. NTV News a rapporté il y a pas longtemps que le tribunal de Tokyo avait reconnu Daisuke Umezu, le vrai nom de l'auteur, Mamare Tono, coupable d'évasion fiscale. Le tribunal avait à l'origine condamné le scénariste du manga à 10 mois de prison. La peine vient d'être bloquée pendant 3 ans, puis sera finalement suspendue s'il se comporte correctement durant cette période. Tono a été placé en résidence surveillée depuis le décembre dernier. Peu de temps après avoir été accusé en avril dernier, Tono avait publié une déclaration officielle qui disait que son avocat s'occupait de tout et qu'il allait bientôt clôturer cette enquête. L'affaire reste à suivre, mais l'annonce de cette nouvelle a de quoi nous faire espérer. Donc, la vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye.